Je suis ici au large du Panama, où vient juste d'être découvert ce qui pourrait être le cercueil du légendaire explorateur Sir Francis Drake, qui a été jeté à la mer il y a plus de 400 ans. Tu es sûr de vouloir profaner la sépulture de ton ancêtre de cette manière? T'as l'air de trouver ça horrible. Au fait, depuis quand tu me crois? Ben, j'ai fait des recherches, et apparemment, Francis Drake n'a jamais eu d'enfant. Ah, les historiens se trompent parfois. Par exemple, on ne profane pas un cercueil vide. C'est pas vrai! Petit filou. Qu'est-ce que c'est? Allez, montre-moi! Non, 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 pas question. On a parlé du cercueil. Point barre. Attends une minute, si mon émission n'avait pas financé cette expédition, t'as eu ton scoop, chérie! Écoute bien, Drake, t'as signé un contrat. J'ai le droit de voir absolument tout ce qui... On peut reparler de ça plus tard? Sully, on a des ennuis. Magne-toi. Ok, ok, qu'est-ce qui se passe? Des pirates. Des pirates? Ouais, des pirates modernes. Ils font pas de prisonniers. Enfin, pas de prisonniers hommes. Mais de quoi tu parles? Tu crois pas qu'on devrait appeler les autorités? Oh, c'est une super idée, mais on n'est pas vraiment autorisé à... à être ici. Quoi? Ouais, si tu veux pas finir dans une prison panaméenne, on devrait s'en occuper nous-mêmes. C'est quoi le pire? On voit bien que tu ne connais pas les prisons panaméennes. Tu sais te servir de ça? Ouais, c'est comme une caméra. Faut juste... je vise et j'appuie, c'est ça? Parfait. C'est parti. Comment nous ont-ils retrouvés ici? Ces types me suivent depuis des semaines, je pensais en être débarrassé. Alors, qu'est-ce que tu leur as fait? C'est une longue histoire, tu sais. Ces types t'aiment pas beaucoup, non? Assez bavardé, faut tirer! Dépêche, Sully. Pourquoi je me retrouve toujours dans de tels merdiers? Il monte à bord! Ah non, je crois pas. Tu vas payer cher. Ah!
Sully, tu fais quoi, là? Dommage pour toi, mec. En but. J'assure. Oh mon Dieu, Drake! Celui-là, il sort de lance-roquette. Ouh. Ah, ça craint, là. Qu'est-ce que c'est? Wouh! Allez, Sully! Dire adieu à ma potion. La cavalerie est arrivée. Oh, Dieu merci. Oh. Ah, zut. Le bateau va sauter. Faut qu'on plonge. Ouais. Attends. Mais qu'est-ce que tu fais? Ok. Allez. C'est bon. Viens. Ok. Pas te laisser seul une minute, mon pote. Hey, j'avais la situation en main avant qu'il fasse sauter le bateau. Tu vas bien? Quelques années de thérapie, ça ira. Je reconnais bien là la belle et talentueuse Elena Fischer. La flatterie vous fera passer à la télé. Eh oui, je suis plutôt du genre à travailler dans l'ombre. Victor Sullivan. Mmh. Oh. Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce que vous diriez de partir avant qu'on se fasse à nouveau remarquer? Bon. Ça, c'est un petit cadeau de Sir Francis. Alors, t'as trouvé le cercueil? Une petite minute. Est-ce que c'est ce que je crois? Ah, le journal perdu de Drake. Il a simulé sa mort, comme je le pensais, Sully. Il devait être sur un gros coup. Ouais, bon, sans garder ça pour nous. Merci beaucoup, Monsieur Drake. Je crois que j'ai bien mérité de jeter un petit coup d'œil à ce journal. Écoute, alors qu'il naviguait dans le Pacifique, Drake prit la flotte espagnole par surprise. Il captura leurs navires, il prit leurs cartes, leurs lettres, leurs journaux. Et il reporta tout ça dans ce journal. Alors ça... Mais... De retour en Angleterre, la reine Elisabeth confisqua tous ses écrits de voyage, y compris ce journal. Et elle fit jurer à tout l'équipage de se taire. Oui, alors ça... Tu vois, Drake a découvert un truc lors de ce voyage, Sully. Quelque chose de si secret et de si important qu'il ne pouvait pas l'ébruiter. Ok, Nate, imagine que tout ce que tu me racontes ne m'intéresse pas et viens-en directement au fait, ok? Ah, c'est ce qui s'appelle aller droit au but. Tu dois avoir du succès avec les femmes. Disons qu'elles se plaignent pas. Ok, alors passons aux choses sérieuses. Regarde ça. Oh, oh, oh. Hein? Ce foutu Eldorado. Il était sur un gros coup, hein? Il dit autre chose? Oh, alors maintenant ça t'intéresse? Ouais! Eh bien, malheureusement, non. La dernière page a été arrachée. Je te le dis, Sully. Ça y est. Cette fois, ça y est. Ouais. Seulement, on aurait comme un petit problème. Oui, c'est ce que j'ai dit, il a sauté. Il a coulé. Non, c'est pour ça qu'on a une assurance, non? Oh, non, non, la caméra, non, non. La caméra, ça va. T'inquiète pas pour elle, hein, non? Elle est comme neuve, t'inquiète. Sully, la fille sait se tenir. Tu l'aurais vue. Bien, alors va dehors et dis-lui, on vient juste de trouver la cité d'or. C'est son producteur qui va être content. Oh, c'est bon. Nate, tu me fais confiance? Plus ou moins. Bien. Parce que le premier blaireau venu va vouloir faire la course au trésor contre nous, à moins qu'on se débarrasse d'elle, tout de suite. T'es un vrai gentleman, Sully. Je sais. C'est nul. Elle s'en remettra. Non, je me fiche qu'on dépasse le budget. Écoute, tu te rends compte que ça pourrait être la plus grosse histoire de l'année? Salut. Non, j'ai pas confiance, ok? C'est pour ça qu'on doit faire vite. Envoie-moi l'équipe de tournage et je te promets que je vais pouvoir... Les enfoirés.
Vraiment, j'aurais dû m'en douter. Oh, attends. Attends, petit. Je suis plus tout jeune, tu sais. Ah. Mais t'étais assez jeune pour cette serveuse à Lima, pas vrai? C'était différent. Mais ma foi, tout aussi épuisant. Allez, tiens bon, mon vieux. On est presque arrivé. Tu sais, ça me rappelle. Je t'ai déjà raconté la fois où j'ai vendu une fausse statuette du XVIe siècle à Pablo Escobar. C'était plutôt culotté. Mais le temps qu'il réalise était... Nate, est-ce que tu m'écoutes? Je bois tes paroles. Mais pourquoi je me fatigue? Tu crois vraiment que Francis Drake est venu jusque-là? On est à des années-lumière de l'Angleterre. Alors? Je comprends pas. D'après ça, on est pile au bon endroit. Peut-être que tu sais pas lire ce truc. Fais voir ça. Non, c'est bien ici. Ça y a rien ici, Nathan. C'est encore une impasse. Décame, Sully. Relax. Jetons un coup d'œil. Oh, c'est pas vrai. Autant chercher une pucelle dans une maison close. Voilà, ça, c'est mieux. Qu'est-ce que c'est? Un cas, tu crois? Non, c'est plus vieux que ça. Je dirais 2000 ans de plus. Ah. Quelque chose? Rien pour l'instant. Sois prudent là-haut. Wow. Oh. Oh. Wow. Bon travail, petit. Ah, j'ai besoin des longues torches ici. Oh, oh, oh! Charmant et accueillant ici, hein? C'est pas vraiment ce que t'avais imaginé, hein? Ouais. Mais il est où, ce trésor? Ah, cet endroit a été pillé il y a des siècles. Ouais, par notre bon vieux pirate. Non, c'était pas Drake. Regarde ça. On dirait que les Espagnols sont arrivés avant lui. Oh. C'est quoi ton problème? Nathan, je cherche pas un vulgaire bout de ferraille. Je suis endetté jusqu'au cou. Je comptais vraiment là-dessus. T'es encore trop flambé à l'image, Paris. C'est vrai. Et puis, il faut dire que sur ce coup-là, j'ai mal joué. Tu sais, je t'ai toujours dit de faire attention aux mauvais garçons. Et aux filles aussi. Ouais? C'est toi qui dis ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Cette journaliste. J'ai bien vu comment tu la regardais. Elena? Arrête. J'ai plus aucune chance avec elle depuis qu'on l'a abandonnée sur les docks. Tous les coups sont permis en amour, gamin. Ah, et si jamais elle pensait pas comme toi? Eh ben dans ce cas, petit, t'es dans un sacré pétrin.
Ces Espagnols ont laissé un sacré bordel derrière eux. Tu as pris leur mate, ça fait une sacrée chute. Ok, laisse-moi faire ça. Je vais la maintenir ouverte. Va voir si tu peux la coincer de l'autre côté. Allez, on y va. Ça devrait tenir. Grouille-les ! C'est vraiment pas passé loin. Espérons que cet endroit a une porte de derrière, hein? Tiens, ça me dit quelque chose. Je crois que Drake en parle dans son journal. Ouais, ici. On dirait une sorte de lampe ou de brasero. Regarde si tu peux l'allumer. Alors, on critique mon cigare, mais finalement, on est bien content de le trouver, hein? Alors, et maintenant ? Ned ? Avec 30 ans moins, j'aurais peut-être réussi à faire ça. Non. Tu crois que ça mène où ? Attends, je reconnais ces symboles. Il faut respecter l'ordre de ces symboles. Hey, tu vois quelque chose ?
C'est profond. Ouais, on dirait qu'il y a une échelle sur le côté. Attends ici, je vais voir. Bon, sois prudent. Hé, hey, fais attention, tu mets les pieds là-dessous. Mène quelque part. Ah, me dis pas que tu vas nager là-dedans. J'en ai vu d'autres. Je suis tout trempé. J'y suis. Je suis de l'autre côté. Est-ce que tu peux l'ouvrir ? Bien joué. Je prends celui-là. Bon, ça a l'air de tenir. J'ai réussi! Tout va bien! Ok, je crois qu'on tient le bon bout. Après ça, on a plutôt intérêt. Le temple a dû être construit autour. Autour de quoi ? D'une statue. Une statue en or. Une énorme statue en or. Et regarde ici, ces gens, ils vouent un culte à ce truc. Enfin, si c'est bien eux. Bien sûr. Eldorado, l'homme doré. Sully, c'était pas une cité d'or, c'était ça, une idole en or. Mince. T'imagines ce que ça peut valoir à l'heure actuelle ? Regarde ici, des traces. Les Espagnols ont dû la transporter sur des rondins. On a 400 ans de retard sur ce coup. Donc la piste est froide ? Ouais, on dirait bien. C'est pas vrai. À moins que... À moins que quoi ? Qu'on suive les traces ? Ça s'arrête là. J'ai l'impression que le mur à l'arrière du temple a été détruit.
Ouais, les Espagnols ont dû s'aménager un raccourci pour sortir le trésor. Super. Et maintenant ? Attends, Sully, t'as entendu ? Voilà un truc qu'on voit pas tous les jours. Oh, mon Dieu ! Qu'il a dû rester coincé pendant la crue de la rivière. On va jeter un coup d'œil ? Non, attends. Tout ça me paraît un peu bizarre. Bizarre ? On dirait que t'as jamais vu un sous-marin allemand en pleine jungle avant. Non, je suis sérieux, Nathan. Tu sais quoi, t'as qu'à rester ici. Moi, je vais aller voir, et je t'appelle si je tombe sur des nazis. Ouais, on fait comme ça. Oh, attends. Tu veux garder ça pour moi ? Ok. Je vais employer la manière forte. Tu vas devoir escalader ces falaises pour atteindre le sous-marin. Fais gaffe là-haut, ça fait une sacrée descente. Nate, tu devrais pouvoir de là descendre directement dans le sous-marin. Attends, t'as fait ton rappel anti-tétanique ? Ça, c'est marrant. C'est bon, j'y suis. Qu'est-ce que tu vois ? Quelque chose d'horrible est arrivé à ces gars. Il y a du sang partout. Et de la soupe. Quoi ? Thank you.
Où t'as trouvé ça, mon pote décomposé de l'au-delà ? Je crois que la piste se réchauffe. Comment ça ? Eh bien, je viens de rencontrer un type avec les poches pleines d'or espagnoles. Seules les pièces sont frappées d'un sceau que j'avais encore jamais vu. Tu fais marcher ? On dirait que nos amis allemands ont un petit secret. Dans la cabine du capitaine. Et devine quoi ? Il est toujours là. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Je crois qu'il a été tué et découpé en morceaux. Triste fin. Ouais, ouais, c'est horrible. Fais-lui les poches. T'as du cœur, Sully. T'as quelque chose, gamin ? UK-2642. UK-2642. Je t'ai eu. Est-ce que ça va ? Sully, tu vas jamais me croire. Vas-y. J'ai trouvé la page manquante. Tu rigoles ? On dirait que Drake et nos amis allemands cherchaient le même trésor. Et j'ai la carte qui va nous y mener direct. Nate, j'espère que c'est pas encore un de tes sales plans. Il faut qu'on ramène quelque chose, sinon... Sinon quoi ? Sully ? T'es là ? Sullivan ? Ça ne dit rien qui vaille. Bonjour. Un ami à toi, Sully ? Je suis Gabriel Roman. Ouais, je sais très bien qui tu es, sale con. Restons polis, jeune homme. Tout ceci n'est que du business. Va par là. Doucement. En l'air, les mains. Ça va ? Bon, votre ami me doit de l'argent, monsieur Drake. Beaucoup d'argent. Alors, quand il m'a dit que vous étiez sur une grosse affaire, la découverte du siècle, selon lui, eh bien, ça m'a intrigué. Mais il a déjà fait de grandes promesses, n'est-ce pas, Victor ? Et là, ça recommence. Encore des paroles en l'air. Oh là là, il est toujours comme ça ? Calme-toi, Navarro. Alors, je crains que tout soit terminé.
À moins, bien sûr, que vous ayez trouvé quelque chose là-dedans, Monsieur Drake. Quelque chose qui pourrait compenser tous ces désagréments. Ils se foutent de toi, Ned. Ils ont tout entendu. Donne-leur la carte. Toutou. Une carte de la Kriegsmarine? Quel rapport avec Eldorado? Quoi, tu crois que c'est une coïncidence? Les Allemands cherchaient le même trésor. Cette carte a un lien avec tout ça. Alors, on est quitte? Pour l'instant. Mais voilà un petit quelque chose contre l'amnésie. Allez, c'est bon, laisse-le en dehors de ça. Ouais, vous êtes pas plutôt du genre à couper un doigt ou un truc comme ça? C'est bien trop vulgaire. Non, je pense que ça lui fera un peu plus mal. Oh là, oh, 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 oh! Allez, Roman! Il a rien à voir avec... Sully! Sully! Espèce d'enfoiré! Bonne journaliste pour suivre deux voleurs de tombes. Chut! Il est passé par là! Transmets l'info! Il ne reste plus qu'un voleur de tombes. Sully est mort. Quoi? Ouais. Et on sera les suivants si on reste là. Oh mon Dieu, je suis désolée. S'il te plaît, dis-moi que t'as un feuille. Bien sûr. Oh, merci. Allez, c'est parti. Passe ton temps à te faire tirer dessus. Il tire dessus aussi, tu sais. Il est par là. Oh ah. Les laissez pas passer. Ah. Ah. Que cet endroit. Une longue histoire, je te raconterai plus tard. –
pas de répit, hein? Planque-toi. Ces gars-là rigolent pas. Tue-le ! Non ! Il va pas nous échapper. Reste près de moi. Il est là-bas. Quittez-le. Wow. Ici, je crois. Ouais, par là. T'as toujours été si populaire? Bah, on dirait que j'attire toutes les ordures de la Terre. Elle prend pas pour toi. J'avais compris, ouais. T'as une bonne mémoire? Pourquoi? UK-2642. Tu retiens? Ouais, qu'est-ce que c'est? Les coordonnées de la Kriegsmarine. Je sais où les Espagnols ont mis Eldorado. Eldorado? Le problème, c'est que je suis apparemment pas le seul. Merde! Si les Espagnols ont trouvé le trésor, ils ont dû le cacher là, sur cette île. Et Drake les a suivis. Bon alors, qu'est-ce qu'on attend? Je vais avoir mon histoire et toi, t'auras le truc allez, que allez, tu allez, cherches. Allez. Eh, hey, tu sais, ça va pas être des vacances. Je sais me débrouiller toute seule, tu sais. Et en plus, tu me dois quelque chose. Si tu le dis... Sur la piste du trésor perdu d'Eldorado, qui nous a menés ici, sur cette petite île au beau milieu de l'océan Pacifique. On va s'approcher un peu. Espérons qu'on soit les premiers. Allons-nous découvrir les ruines d'une colonie oubliée et une fortune en or espagnole? Ou est-ce que cette île nous réserve des surprises bien plus sombres? Ça devrait les empêcher de zapper. Attends, c'était quoi ça? Des tirs anti-aériens. Ça, ça ne fait pas du tout. Okay. Oh merde! On est en feu! Éteins cette foutue caméra, on va le voir sauter! Sauter? Il y a des parachutes là-dedans, au moins! C'est le moment de le découvrir! Oh! J'espère que ces trucs marchent encore! On va pas tarder à le savoir! T'as déjà fait ça avant? Bien sûr! Il faut juste sauter, compter jusqu'à 5 et tirer la corde! Maintenant, vas-y! Tu viens pas? Je suis un peu occupé, tu vois! Allez, saute!
Vas-y, je te suis. Faut juste sauter, compter jusqu'à 5 et tirer la corde. Rien de sorcier. Oh merde. Merde. Oh merde! Attaqué par les inconnus, j'oublie la carte dans un avion en flammes, je perds Elena, qui est sûrement morte. Continue comme ça. Ah!
Allez-y. T'es mort. Ok. Wow! Y'en a mort, blé! Dame-le! On va s'échapper! Oh! Yeah.
dans le mille, Anding. Go. Il est là-bas. Je le vois. Oh, je te tire, bâtard. Ah.
Non. Yeah.